Je n'ai jamais été son assistante ou quoi que ce soit de ce genre, en rigolant face caméra. Oh là là, il est mort. Moi, ce que je trouve le plus grave dans cette interview, c'est de se rendre compte que ce couple va très mal et depuis longtemps. Et pourquoi? Mais ça veut dire qu'ils se sont pas parlé depuis 1998. Bah parce que sinon, lui, il lui aurait dit à elle qu'il l'avait mise assistante parlementaire, et puis elle, elle lui aurait dit à lui qu'elle avait fait une interview où elle dit qu'elle l'est pas. Et en 15 ans, ils auraient bien trouvé quelque chose pour attraper ça quand même. Eh bah, c'est bien fait pour lui. Mais dis donc, Chirac, Sarkozy, Mitterrand, c'est pas mieux. Non, moi, je pense que le problème de Fillon, c'est qu'il est trop honnête pour faire de la politique. Quoi, 900 000 euros détournés de l'argent public, t'appelles ça honnête, toi? Mais bien sûr, mon chéri, les autres, ils prennent des mallettes pleines d'argent. Impossible à prouver, les mallettes. Moi, je vois pas la différence. La différence, c'est que Fillon, il a voulu détourner de l'argent, mais de façon honnête, avec des fiches de paix. Ne pas respecter la morale, peut-être, mais respecter la loi. C'est pour bien malin. Oui, bah, c'est parce qu'il est catholique, il voulait pas pécher. Non, mais on voit bien qu'il est pas fait pour être président de la République, il a trop de scrupules. Bah, sinon, il aurait pris les mallettes. Oui, bah, en tout cas, il a trouvé le truc pour qu'on arrête de parler du scandale. C'est l'attentat du Louvre. Mais c'est pas lui, l'attentat du Louvre. Mais si, mais c'est évident que c'est un terroriste filloniste. Mais comment ça? Mais attends, le gars, qu'est-ce qu'il croyait? Il se pointe avec deux canifs face à 10 militaires surarmés. Qu'est-ce qu'il croyait qu'il allait détruire Paris? Mais non, mais ça se voit qu'il avait des scrupules. Je suis sûr qu'il est catholique. Mais non, mais c'est un égyptien! Mais ça, c'est ce qu'on veut te faire croire. Le gars, il veut faire un attentat, mais blesser personne, hein. C'est sûr que c'est un copain de Fillon. Je suis sûr que tu lui enlèves sa cagoule. Il a une raie, le gars. Et une fiche de paix pour mission ponctuelle en milieu culturel. Voilà! Ah, pas con. Disons, Mitterrand, Sarkozy, Chirac. Je suis désolée. Pour mixtion ponctuelle en milieu culturel. Merde. Mixtion. Je n'ai jamais été son assistante ou quoi que ce soit de son genre.